Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment faire pour télécharger Packet Tracer version 8.0.1, qui est un outil très indispensable pour vous faire pratiquer vos topologies réseau. Pour cela, il faut aller sur le site Net Academy de Cisco. Voilà, c'est celui-là. Cliquez sur Packet Tracer. Voilà. Et vous allez entrer directement dans le site Net Academy et chercher le cours Packet Tracer. Cliquez sur En savoir plus. Vaut mieux tout d'abord s'identifier sur ce site pour pouvoir télécharger. Et vous aurez l'avantage d'avoir accès à plusieurs cours intéressants comme la cybersécurité et programming et pas mal d'autres choses. Donc, voilà. Pour s'inscrire, cliquez sur login. Voilà. Et après, en bas, juste en bas, s'inscrire. Vous demande votre email, prénom, nom, et puis je vous conseille de mettre vos coordonnées exactes. Ça va vous servir prochainement pour postuler chez Cisco. Vous pouvez justifier avec les cours que vous avez faits et les certifications passées sur Net Academy. Voilà. Une fois que vous vous êtes identifié, vous allez recevoir un email pour valider. Après, vous pouvez vous identifier directement. Vous allez sur le cours. Là, il vous dit First time in this course. OK. C'est l'introduction. Vous faites suivant. Et là, sur ce tableau, vous allez trouver le lien pour télécharger. Voilà. Là, vous aurez le temps après de vérifier les conditions pour téléchargement, les prérequis. Voilà. Tout ça, du giga de RAM et 1,4 giga sur votre disque. Je prends la version pour Windows 64. Voilà. Et vous profitez pendant le téléchargement de lire tout ce que vous pouvez avoir comme avantage d'être membre de Net Academy. Tous les cours, voilà. Switching Routine and Wireless Essentials. CCNP, Enterprise Advanced Routine. Cybersécurité Essentielle. Networks Security. Tous ces cours-là, vous pourrez avoir accès. Il y en a ceux qui sont gratuits, il y en a ceux que vous devez payer. Une fois vous avez téléchargé votre vous l'installez sur votre PC. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, une fois installé, vous l'ouvrez comme ci. Après, il vous demande d'identifier avec votre compte Net Academy. Voilà. Vous le tapez ici et vous mettez votre mot de passe. Se connecter. Après, une fois connecté, vous pouvez commencer à créer votre réseau. Vous prenez les appareils que vous voulez mettre, PC, laptop, serveur et les autres appareils domestiques. Voilà. Ventilateur commandé à distance. Et une enceinte audio Bluetooth.
un switch, puis un routeur. On passe au câblage. Vous avez les différents types de câbles. Je prends l'automatique. Je laisse Packet Tracer suggérer quel type de câble pour chaque outil. Et là, je branche vers le routeur. Voilà. Maintenant qu'il s'est devenu vert, tout est bon. Je peux rajouter d'autres trucs. Vous pouvez regarder sur la barre outils. Vous avez aussi un routeur domestique. C'est votre box Internet. Je vais la connecter à mon switch. Donc, dans ce cas-là, c'est mon routeur domestique que je vais connecter au routeur extérieur. Voilà. Après, vous pouvez basculer vers physical pour voir sur un plan réel tout ce que vous avez fait. Par exemple, prendre une installation dans un appartement et voilà, vous allez le mettre où vous souhaitez sur votre appartement. Ça vous permet d'avoir une idée à l'avance avant de pratiquer sur le réel. Et vous pouvez avoir aussi des modèles déjà préinstallés. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo.